Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où je vais donc vous parler de la réévaluation des immobilisations. Dans un premier temps, je vous parlerai du principe de cette réévaluation, qu'on parle de réévaluation libre. On verra bien évidemment le schéma de comptabilisation et on terminera par le suivi de l'immobilisation, à savoir l'amortissement, la dépréciation et la cession. Donc jusqu'au bout, en fait, j'essaierai d'appliquer un exemple chiffré et de vous montrer l'illustration avec une application corrigée. Un petit jingle et on commence. Alors, commençons par définir quel est le principe de ce qu'on appelle la réévaluation des immobilisations et en particulier ce que disent les textes. Alors, on va déjà parler de théorie. On a donc un bilan. Si on regarde dans notre bilan, on a donc l'actif et on a le passif. Et on a un objectif au niveau de la comptabilité qui est d'avoir une image fidèle. Or, on a un principe qui est le principe comptable des coûts historiques, on dit aussi du nominalisme monétaire. Et donc la valeur qui apparaît ici en brut sur notre activité, nos actifs immobilisés, c'est la valeur d'origine, c'est-à-dire la valeur à laquelle j'ai acheté mon bien. Et selon ce principe des coûts historiques, du nominalisme monétaire, la valeur, elle ne va pas changer, c'est la valeur à la date à laquelle je l'ai acheté. Or, il y a un certain nombre d'immobilisations qui, dans le temps, peuvent s'évaluer et non pas se désévaluer, c'est-à-dire que la valeur va augmenter. Typiquement, les bâtiments, avec l'évolution du marché immobilier, sont des immobilisations qui vont avoir une valeur actuelle plus élevée que la valeur qui est au bien. Et d'après cet objectif d'image fidèle, eh bien on est un petit peu contraint par ce principe des coûts historiques. Et donc le principe de la réévaluation des immobilisations est de dire, eh bien, je vais changer cette valeur qui apparaît au bilan et je vais faire apparaître une valeur plus proche de l'image fidèle du patrimoine de l'entreprise. Alors ce que dit la loi, alors en fait on est depuis la loi de 1983 sous le régime de la réévaluation libre. Alors pourquoi on parle de réévaluation libre? Il faut savoir qu'en France avant 1983 on avait un régime qui était le régime de 1976 où on avait un régime de réévaluation légale. Ce régime il faisait suite à une période inflationniste en France. Et donc, ce régime permettait, entre autres, d'avoir une fiscalité réduite sur la réévaluation des immobilisations et la réévaluation du coût du bilan des entreprises. Depuis 1983, l'inflation ayant un peu diminué et actuellement étant assez faible en France, on est en système de réévaluation libre avec une imposition tout à fait normale, on en reparlera après. Donc, la loi de 1983 permet une réévaluation des immobilisations. L'article 123.18 du Code de commerce le permet aussi, et nous on va se rattacher plus au PCG, et donc le PCG c'est l'article 214.27 qui dit que des ajustements de valeur qui portent sur l'ensemble des immobilisations corporelles et financières peuvent être effectués dans le cadre de la réévaluation des comptes. Cette réévaluation, elle est ponctuelle et elle est à l'initiative de l'entité, et c'est-à-dire qu'elle dépend d'une décision de gestion. Vous remarquerez que dans l'article, on prévoit aussi un nouveau régime en fait, de réévaluation légale à terme, puisque ça peut être aussi une réévaluation qui est prévue par la loi. Ce que dit l'article du PCG, c'est que déjà, seules les immobilisations corporelles et financières peuvent faire l'objet d'une réévaluation. Donc on ne pourra pas réévaluer des immobilisations incorporelles. Et d'autre part, ça porte sur l'ensemble des immobilisations corporelles. Donc lorsqu'on fait une réévaluation, on ne choisit pas les immobilisations qu'on va réévaluer, on réévalue l'ensemble des immobilisations corporelles et financières qui sont dans le bilan d'entreprise. Une petite précision aussi, c'est que cette réévaluation va donner lieu à une différence et que cette différence, cet écart de réévaluation, ne va pas pouvoir compenser les pertes. Donc l'objectif n'est pas de dire j'ai des pertes, donc pour compenser les pertes qui est liée à une activité peu rentable, eh bien je vais réévaluer et donc faire apparaître un profit et ça va compenser. Donc ça, ce n'est pas possible, c'est interdit. Donc voilà ce que dit la loi. Alors, je n'ai mis qu'une partie de l'article du PCG, il y a un petit peu plus de précision. On va voir comptablement comment ça se passe. Et en particulier, on va parler de réévaluation et d'écart de réévaluation. Partons, comme tout à l'heure, de notre bilan. De notre bilan. Alors, notre bilan, on a dit, on a au niveau de l'actif immobilisé, on a notre coût historique.
Et donc, le principe de la réévaluation est de dire, je vais changer pour les immobilisations corporelles et pour les immobilisations financières, je vais changer ce coût historique et je vais le remplacer par une nouvelle valeur, qui est la valeur actuelle. Alors, je vous invite à reprendre le cours sur les dépréciations, sur le test de dépréciation, puisque ici, c'est la même notion de valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur la plus élevée entre la valeur d'usage et la valeur d'utilité. Hein, on veut la valeur à la date à laquelle on veut réévaluer. Et donc si, principe de la partie double, si on augmente ici l'actif, hein, puisque j'augmente l'immobilisation, il faut à un moment donné que je garde un équilibre entre actif et passif. Donc soit je diminue par ailleurs l'actif à un autre endroit, soit j'augmente le passif. Ce qui a été décidé évidemment, c'est de dire on va augmenter le passif. Donc ce qu'on fait, c'est qu'au niveau du passif, on va compenser cette nouvelle valeur, cette augmentation de valeur par un écart de réévaluation. C'est un compte un peu de réserve, ça fait partie des capitaux propres. Mais attention, la particularité de cet écart de réévaluation, c'est que c'est non distribuable. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir considérer que c'est un bénéfice et je ne vais pas pouvoir distribuer cet écart de réévaluation aux actionnaires. Il n'y a pas d'autre modification, sauf si le bien, les immobilisations en particulier corporelles, avaient fait l'objet d'amortissements dérogatoires. Dans ce cas-là, il va falloir reprendre les amortissements dérogatoires et à ce moment-là, ça va avoir un impact sur le résultat hein, qui se situe dans les capitaux propres. Alors comptablement, en termes d'écriture, ça donne quelque chose d'assez simple finalement. Voilà ce qu'on a comme schéma d'écriture. On a donc, on a dit une augmentation de valeur des immobilisations. Donc ici, j'ai mes immobilisations qui augmentent de valeur. Donc j'ai un débit, j'ai un flux entrant. Et en contrepartie, je vais constater un écart de réévaluation. Je vais compenser ce débit par un crédit de cette même augmentation de valeur. Donc je vous rappelle, hein, même si dans un exemple chiffré, on fera catégorie par catégorie, lorsqu'on procède à la réévaluation, c'est de toutes les immobilisations. Alors on me dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas plus souvent? Alors, un, il y a un principe comptable qui reste quand même important en France, qui est le principe du nominalisme monétaire, des coûts historiques. Deux, il faut savoir que si là, on voit qu'il n'y a pas d'incidence sur le résultat a priori, fiscalement, c'est totalement différent, puisque en fiscalité, cet écart de réévaluation va être imposable, et donc il devra donc, dans l'alias fiscale, être réintégré de façon extra-comptable. C'est un des freins à la réévaluation en France. Il faut savoir que ce système, ce principe de nominalisme monétaire ou de coût historique, ce n'est pas le principe qui est adopté au niveau des normalisations comptables internationales, au niveau du référentiel IFRS. Au niveau du référentiel IFRS, on est sur un principe de la juste valeur. Et donc, cette écriture de réévaluation, eh bien, elle sera beaucoup plus courante dans le cadre d'une comptabilité aux normes internationales. On va faire un petit exemple chiffré pour voir les conséquences comptables plus précisément. Alors, au 31 décembre N, on a un inventaire N, on a l'entreprise qui procède à la réévaluation de ses immobilisations corporelles et financières. On va nous intéresser uniquement à un immeuble. Cet immeuble est situé en plein cœur de ville. Il a aujourd'hui une valeur actuelle de 1 500 000 euros, mais sa valeur historique au bilan est de 500 000 euros. Ce bien de 500 000 euros, du réduit de transant, il avait donc été amorti. Donc à l'inventaire N, les amortissements cumulés sont de 200 000 euros du réduit de 30 ans. Donc il reste encore ici 18 ans. Donc première chose, on va calculer l'écart de réévaluation. Donc l'écart de réévaluation, c'est la différence entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable. Donc ici, la valeur actuelle est de 1 500 000 euros. Et on a une valeur nette comptable de 500 000 euros moins 200 000 euros d'amortissement cumulé. Donc finalement, on a un écart de réévaluation de 1 200 000 euros. Hein. C'est-à-dire que, faire attention, on ne considère pas que l'écart de réévaluation, c'est la différence entre la valeur actuelle et la valeur d'origine. C'est bien la différence entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable. Donc ici, un écart de réévaluation de 1 200 000 euros. L'écriture comptable à l'inventaire N est donc la suivante. Je vais augmenter, je vais donc débiter le compte 213 pour 1 200 000 et je vais créditer le compte de capitaux propres, écart de réévaluation lié pour 1 200 000 euros. Voilà. Le schéma d'écriture est assez simple. La seule chose qu'il faut bien faire attention, c'est que cet écart de réévaluation, c'est bien la différence entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable. Donc faites bien attention là-dessus.
Voyons voir maintenant comment ça se passe sur justement cette nouvelle, enfin c'est pas cette nouvelle, mais cette immobilisation qui a été réévaluée. Comment ça se passe en termes d'amortissement, de dépréciation et en termes de cession. Alors première chose, l'amortissement du bien réévalué. Alors il n'y a pas de modification des amortissements antérieurement à la réévaluation. C'est comme dans le cas de la dépréciation, on va modifier le plan d'amortissement et on va modifier le plan d'amortissement avec comme base amortissable la nouvelle valeur réévaluée, donc notre valeur actuelle. Il n'y a pas non plus de changement de durée du plan d'amortissement, donc on va amortir sur notre nouveau plan d'amortissement sur la durée de vie restante. On ne va pas changer la durée de vie du bien parce qu'il a été réévalué. Par contre, ce qui va être différent, c'est notre fameuse écart de réévaluation. Donc l'écart de réévaluation, on a dit que c'est quelque chose qui est non distribuable, sauf que là, au fur et à mesure, je vais constater une charge, une dotation d'amortissement plus élevée que ce qu'elle aurait été avant. Donc, ça va permettre en fait de transférer l'écart de réévaluation en réserve distribuable. Ça devient du coup disponible en termes de dividendes pour les actionnaires. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer le surplus d'amortissement à un compte de réserve distribuable avec le schéma d'écriture suivant. À chaque inventaire, je vais donc réduire, donc je vais cette fois-ci débiter le compte d'écart de réévaluation libre. Je vais créditer un compte de réserve distribuable. Ici, j'ai pris un compte divers de réserve, donc 1068 autres réserves, et uniquement, attention, hein, pour le surplus d'amortissement, puisque l'amortissement classique, originel, lui, a un impact sur le résultat, ça, il n'y a pas de souci. Et le surplus d'amortissement, du coup, il va venir compenser l'écart de réévaluation libre qu'on avait précédemment. Donc, on va transférer une partie de cet écart de réévaluation à une réserve distribuable pour que les actionnaires puissent bénéficier au fur et à mesure de l'écart de réévaluation. On reste sur un petit exemple, on garde notre même exemple. Donc, on a dit qu'on avait une réévaluation en N plus 1, donc en N, pardon. Donc, il n'y a pas de modification du plan d'amortissement N, mais à partir de N plus 1. On va donc avoir une nouvelle annuité d'amortissement. Donc, la nouvelle annuité d'amortissement, on part de notre valeur actuelle, qui était donc de 1 500 000 euros. Il nous reste 18 ans. Donc, la nouvelle annuité d'amortissement, c'est 83 333,33. Donc, la valeur actuelle, qui est la nouvelle base amortissable, sur la durée de vie restante. Bon, ça ne marche pas très bien. Et donc, précédemment, on avait 16 670,67, c'est-à-dire qu'en fait, on avait 500 000 sur 30. Point de vue écriture, on a donc un amortissement tout à fait classique où j'ai une dotation d'amortissement à un amortissement pour les 83 333. Par ailleurs, on a 83 333, on avait 16 066,67, on a donc un surplus d'amortissement, qui est la différence entre les deux, de 66 666,67. Pardon. Et donc, ça va nous permettre de transférer une partie de l'écart de réévaluation. Donc, je vais cette fois-ci débiter 1052 par 1068 et je mets une partie, donc le surplus, 66 666,67, en réserve distribuable, charge après à l'Assemblée générale de décider s'il distribue ou pas les réserves. Point de vue maintenant de la dépréciation du bien réévalué, mais en fait, ce bien réévalué va être traité comme les autres biens. Hein, toutes les immobilisations, elles ont été réévaluées, certes, mais ça ne change pas toute la procédure de test de dépréciation et de dépréciation. Donc, il n'y a pas de modification en termes du bien qui a été réévalué. Enfin, la cession du bien réévalué. Alors, au niveau purement traitement de l'immobilisation, comme pour la dépréciation, en fait, on n'a pas de modification. Le schéma d'écriture de la cession est tout à fait habituel. On va enregistrer le prix de cession, l'amortissement complémentaire et la sortie du bilan. Par contre, attaché en fait à ce bien réévalué, on a un écart de réévaluation. Donc, lorsqu'on va faire sortir le bien, il va falloir faire entre guillemets sortir l'écart de réévaluation. Et donc, en fait, c'est cet écart de réévaluation qui va être transféré à un compte de réserve distribuable, comme on a fait tout au long du suivi de l'immobilisation. Et c'est uniquement le résiduel qui va être transféré. Donc, on a le même schéma d'écriture qu'on a vu précédemment avec le surplus d'amortissement. Et là, c'est avec uniquement l'écart de réévaluation résiduel où on va donc solder. Donc, il faut qu'à la fin
le compte 1052 là devienne à zéro. Donc on va solder le compte 1052 par un crédit du compte d'autres réserves qui est un crédit de réserve distribuable. On finit donc par notre exemple chiffré. Alors, information nouvelle, on va considérer que notre entreprise, elle cède son immeuble pour 2 millions d'euros au 1er janvier N plus 11. Donc, si on regarde quels étaient les montants des amortissements effectués, donc avant la réévaluation, on avait 200 000 euros d'amortissement. Après la réévaluation, donc si on regarde de N plus 1 à N plus 11, on a amorti pendant 10 ans et on a amorti 83 333,33 pendant 10 ans. Donc, on a les schémas de cession d'écriture suivante. Alors, comme on est au 1er janvier, on n'a que deux écritures. On a d'une part la vente de l'immeuble. Donc, j'enregistre une créance et un produit de cession pour le prix de cession, donc 2 millions. Et on fait sortir à l'inventaire l'immeuble du bilan. Donc, on a un montant ici, on a dit d'amortissement cumulé que je solde pour 1 million 33 000. 333,3. Je fais sortir ma construction du bilan pour la valeur à laquelle il était au bilan. Alors, pour combien il était au bilan? Et bien, en fait, à l'origine, il était pour 500 000 euros, mais j'ai constaté un écart de réévaluation de 1 200 000 euros. Donc, finalement, il était au bilan pour 1 700 000. Et j'en déduis la valeur nette comptable de 666 670. Et donc, ici, on n'a pas d'amortissement complémentaire puisqu'on a une cession au 1er janvier. Et puis, il nous reste à traiter de l'écart de réévaluation. Cet écart de réévaluation, il faut en fait solder l'écart de réévaluation résiduel. On a donc transféré pendant 10 ans 66 666,67. Il nous reste donc, on avait un écart de réévaluation de 1 million 2, moins ce qu'on a déjà transféré. Il nous reste un écart de réévaluation résiduel de 533 333,3, d'où les schémas d'écriture suivants. Je vais solder. Débité 1052 par crédit 1068 pour les 533 333,3. Ainsi s'achève cette vidéo Zoom sur la réévaluation des immobilisations. Alors, c'est quelque chose qui est très pratiqué en France parce que fiscalement ça a un impact. Maintenant, au niveau de la comptabilité internationale et donc des normes du référentiel IFRS, c'est quelque chose qui est beaucoup plus pratiqué. Il est donc important que vous connaissiez ce schéma d'écriture et cette procédure d'écart de réévaluation et de transfert en réserve distribuable. Voilà, bon courage à tous, un petit abonnement, un petit pouce et on se retrouve à très vite.